Le temps d'une chanson, une camomille et au lit. Le temps d'une chanson et je t'emmène. Bonsoir. Comme le dit si bien Dédé Brioche, notre grand connaisseur de la chanson française pur beurre, la musique, c'est quand même mieux quand il y a des paroles. Et c'est pour respecter cet adage que je vais maintenant vous faire écouter une chanson extraordinaire interprétée par une de nos grandes gloires locales. Alors hélas, ça ne peut pas être Christine Autier. Elle est en train de lever la jambe actuellement aux Folies Bergères et elle a du mal. Mais j'ai réussi à trouver une autre gloire locale, ce qui va sans doute vous faire extraordinairement plaisir. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Raffarin. Je vous ai manqué, hein? La route est droite, mais le quinquennat est raide. Je vais maintenant vous interpréter une petite chanson sur un sujet qui me tient à cœur. Et à mon avis, ce sera le tube de l'hiver. Toi qui passes nonchalant devant l'hôtel de département, regarde comme ils ont le cœur gros, tous nos braves élus locaux. Une tuile noire est arrivée sur toutes les collectivités. Dans nos communes, dans nos régions, on pleure une grande disparition. Où est-elle? Où est-elle? Ma taxe professionnelle qui payait l'apéro de nos conseillers généraux. Où est-elle? Où est-elle? Ma taxe professionnelle qui mettait le coco dans le réservoir de la Twingo. Toi qui trouves que c'est du bon, réfléchis donc, pauvre couillon. S'il n'y a plus de rentrée d'argent, comment trouver le financement? Pour les spectacles, le club de foot, l'entretien des vieux et des routes, le RSA de nos chômeurs, la chorale de l'instituteur. Où est-elle? Où est-elle? Ma taxe professionnelle qui donnait à nos patelins de si romantiques ronds-points. Où est-elle? Où est-elle? Ma taxe professionnelle qui permet à Yannick Jolin de patoiser comme un sagouin. Moi qui suis sans exception pour la délocalisation, je suis prêt à me rebeller et à descendre sur la chaussée. Eh ben oui, c'est la rue qui gouverne. Et comme les socialistes, nous, donnent l'impression de bandes émous, je vous donne à tous rendez-vous chez moi, à Chasseneuil du Poitou. Où est-elle? Où est-elle? Ma taxe professionnelle qui donnait à nos écoliers de savoureux jambon purée. Où est-elle? Où est-elle? Ma taxe professionnelle qui payait les plaques d'amiante de nos salles polyvalentes. Tous ensemble, où est-elle? Où est-elle? Ma taxe professionnelle qui donnait bonne mine aux salariés de Radio Gatine. Où est-elle? Où est-elle? Ma taxe professionnelle, Nico me l'a dit, mais je l'ai pas cru. Je crois bien qu'elle est dans mon cul, mais la route est droite. Merci. Bonne soirée à vous. Merci, monsieur Abrashkov. Merci pour lui. Merci beaucoup.